Et bonjour à tous et à tous, c'est Malventin Gaming. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, on est sur Clash Royale. N7, voilà. Hors caméra, je suis remonté 2076 trophées. Donc voilà. La pièce, etc. Toutes les cartes, voilà. Je vais vous montrer un peu, enfin, toutes les cartes au jeu, voilà. On va faire un défi du tirage. Comme je suis à Arena 7, mais niveau A. On va prendre ça. Donc ça. Donc franchement, j'aurais peut-être dû prendre le canon. Éclatez les mois. Donc voilà. On va jouer. Voilà. J'ai pris les cartes parce que. D'accord. Merci. De toute façon, il aurait pris le. Le fût. D'accord. Ah! Bah, c'est gentil là ce qui m'a passé. Attends. Ce qui m'a passé un géant. La Tesla, on va voir. Ah, mais non. Mais bon, on a le géant squelette. Ok. Géant squelette. Fier gobelin. Est-ce que ça marche? Est-ce le meilleur combo du monde? C'est le meilleur combo du monde. Oh my god. Et là, on va finir au cimetière. Ça marche là ce qu'il vient de faire? Il m'a gelé ma. C'est possible? En fait, je crois que ça sert à littéralement à rien. Bon, bah voilà. Il a posé les deux cartes les plus importantes. Les trois cartes les plus importantes pour défendre le dragon de l'enfer. Ah, dommage, il avait la boule de feu. Donc voilà, les gars. Si. Attends, il a son zap ou pas? Après, si quelqu'un a un zap ou un truc comme ça, je vais essayer de le troller. Alors, bon, maintenant le cimetière il va servir un peu à rien du coup. Mais bon, un petit cimetière dans la main, ça fait jamais beaucoup, beaucoup de mal, hein. On me dirait Sinor, le Kirikou. Le Kirikou qui attaque ma grande tour. Mais moi, je lui attaque aussi sa grande tour. Et voilà, on n'y pas. On n'en parle plus. Bon, sinon, ça va, vous, les vacances, la famille. Donc voilà, là, ça devrait un peu me booster. Donc voilà, faire des vidéos. Donc voilà, on va faire un deuxième défi du tirage. Des fois, si on fait pas défi du tirage, les mecs, des fois, ils vont mettre. Ouais, t'es trop fort. Attends. T'es trop fort, ouais. Il y avait. Ouais, il y avait quelqu'un, elle m'a dit. On avait fait un truc, elle m'a dit, t'es trop fort. Attends. On n'est pas loin. Oh non! Dommage. Donc voilà. Au pire, ben voilà, je vais faire une petite ellipse et à tout de suite. Ok, donc voilà. Je pense pas qu'il veuille. Après, s'il veut, ben voilà. Du coup, je vais dépenser une gemme. Si on a une légendaire dans ce coffre. Je vais attendre les 5000 abonnés aujourd'hui. Oh my god, non, je rigole. Voilà, cette barbare d'élite, c'est pas mal. Donc les barbares d'élite, il en faut 200, mais on approche, donc voilà. Allez, on va faire un petit combat. Donc voilà, un peu la pression.
D'accord. Ok. Bah voilà. Nickel, c'est nickel, carré. Ah. Et ouais, la dernière fois, je tombais contre un cheater, les gars. Oui, un cheater niveau 1, arène 7. Le mec, on peut croire même qu'il avait toutes les légendaires, quoi. Hein, da da ba, hein, mané ba da ba, hein, Bon, après, on va tempo. Ok, on va un peu récupérer de l'élixir. Il pose son mineur, ok. Posez les triples mousquetaires et la boum. Les gars, vous allez dire ouais tout. T'as perdu une tour et tout. L'autre, elle va tomber. Tenter des choses dans la vie. Tenter des choses. Il faut tenter des choses. Et ça, je l'ai jamais tenté. Donc, boum, pourquoi pas. Boum, ça s'est fait. Baby, baby, cheese. Allez, ça s'appelle Squeezie. Ah, bon, bah, c'est cool, hein. Bon, bah, go. Zappy, on n'a pas le choix, hein. On n'a pas laissé le choix. Dis-moi que tu vas mettre un coup. Un coup. Putain, putain, putain. Boum, 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 allez. Clotez les barbares d'élite. Non, on a perdu. Voilà. À la fin, j'ai eu un petit espoir. Bon. Un peu dégoûté, allez, on s'en refait une autre. Ok, on s'en refait une autre. Go contre Alexis qui n'a pas de plan. Bon, voilà. Go. Ah ben. Numéro 9. Comment se dire que, ouais. Soit le mec est vraiment nul et tout, soit il va me défoncer. Je suis plutôt pour la deuxième truc qui va me défoncer. Donc voilà. Déjà, le mec qui commence à 1200. Aïe! Allez, les gars. Jamais se décourager. Si je gagne, ça en est la preuve. Parce que le mec est niveau 9. Et moi, je sors mon zapier au moins. En mode OKLM. OKLL. In. Non, mais non, mais non, pourquoi? Puis des hyènes. Oh là là. Bon. Ok. Je vais poser les trois mousquetaires. J'aurais ou alors il y a quelque chose qui a fait pouet pouet. Allez, go, go, go. Oui, les mecs. We are the champion. Oh putain, 94. Le mec. Non. Oh shit. Oh no.
Le boom. C'est très dangereux ce que je fais. Ne le faites jamais chez vous, à Clash Royale. Oui. Certains vont dire, mais qu'est-ce que tu fais? Je mets une armée de squelettes en attaque. S'il y a quelqu'un qui me dit bravo pour ça, eh ben, c'est le monde à l'envers, hein. Ah non! Oui! Non! Le mec, il a deviné tout que j'allais poser ça, quoi. God! Oh my god! Ok, le mec. Ok. J'ai 30 secondes restantes. Faut que je tienne 30 secondes là. My god, les gars. Oh my god. Oh my god. My god. Oh my god. Oui. Et je vois le zappy. Oh my god. Voilà. Oh. Oh. My goodness. Oh. Crois que je suis mort là. Non. Non, mais dis pas ça, non. Moi, j'aurais mis la roquette directe, là. J'aurais dit aucun respect, mec. Attends, est-ce qu'il avait au moins... Non, il avait pas de projectile. Ah si, il avait le zap. Oh, pas de chance. Vraiment pas de chance, Alexis. Mais bon, le mec, il le méritait. Hein. Je le méritais niveau 9, le mec. Alors, il est de mérite. Il est de mérite. Ah mais en fait c'est le mec d'avant, en fait c'est aussi un niveau 9. Qu'est-ce qu'ils ont les niveaux 9 à venir en arène 7? Ben voilà, je crois. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Pouce bleu. Un pouce bleu. Je suis le roi des pouces bleus. À mettre un pouce bleu et à vous abonner et à mettre un petit commentaire. Voilà, ça me ferait vraiment super plaisir. Et sur ce, bye!